Ah, c'est bien. C'est bien, c'est très très bien. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans... Pff, je sais pas. Bienvenue sur la chaîne perso. Bienvenue dans On mange des Doritos ensemble. Qu'est-ce que c'est bon, putain. Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes partis pour... Je sais pas combien de temps, un peu, jusqu'à ce que ça me saoule de Jack et Dexter, parce que j'ai envie de jouer au jeu, j'ai envie d'avancer, c'est vrai que le jeu est cool. Après, je vais faire attention de pas le finir quand même. Merci de l'Arcanis pour le Rissom. Je vais faire attention à pas trop avancer, parce que je pourrais terminer... Ça. Non mais si j'aurais des trucs de la vie sociale. J'ai des trucs de la vie sociale de prévu ce week-end. Foutez-moi la paix. J'en ai. Mais voilà, ça va pas être toute la journée. Ça sera sûrement en soirée ou des trucs comme ça. Mais pour le moment, j'ai rien. Al. Donc en mangeant des Doritos et arrêtons de faire chier. Non, pas 204, ça c'est du resub. Toujours à 203. Le resub montre en fait que vous êtes sub depuis longtemps. Voilà. Et ça montre les fidèles. Et les fidèles ont droit de se dire, regardez, moi je suis sub depuis tellement longtemps. Je mange des Doritos paprika avec un pot de crème fraîche. Voilà. C'est mon petit péché mignon à moi. Voilà. Un pot de crème fraîche. De la bridélice épaisse, si vous voulez savoir tout ça. C'est très très bon. C'est encore meilleur si on relève la bridélice avec quelques épices. Mais moi j'aime les goûts simples. Vous savez. La vie des fois... la vie des fois... Fais pas chier et trouve-toi une gonzesse. Mais écoutez, je m'y emploie activement hein, ces derniers mois, vous savez. Mais que voulez-vous? Voilà. On peut pas tous être Mister MV. De la crème fraîche avec des Doritos, oui, c'est excellent. Bah, fais pas cette tête là, je te dis que c'est bon. Viens goûter plutôt que de faire la gueule. C'est très bon. Ça adoucit le paprika. C'est vraiment très très bon. Mais non, c'est pas ignoble du tout, mais venez manger. Mais arrêtez de critiquer, venez tester. Venez à la maison, venez tester. Et cassez-vous. Non mais oh, c'est très bon. C'est encore meilleur avec quelques épices. Mais j'ai peur de mal doser les épices du coup. Donc je fais attention. Le son et l'image sont décalés. Non, si. Alors c'est peut-être chez vous. Peut-être chez vous. Chips Nutella, ouais, je valide. Qu'est-ce que je voulais écrire? Oui, je voulais écrire un truc. Oh putain, oh mon dieu, mais comment j'écris mal, c'est violent. C'est juste violent. Ah! Bon appétit chez vous, hein, évidemment. Donc. Ah, merci Nakim 9. Merci à toi pour le sub. Paix amour sur toi. Bienvenue. Tu es. Le 204e sub de la chaîne. Merci. Merci d'être là. Merci de soutenir le mouvement. On n'est plus très loin des 251. Je pense qu'on va y arriver. Je suis pas content. Tout ça grâce au fait. Tout ça pour le fait que... Que voilà. Qu'est-ce que je voulais raconter comme connerie. Je sais même plus ce que je voulais raconter. Je ne sais même plus ce que je vais faire. Les poivrons, je déteste ça. C'est horrible, c'est mon match-up de la vie. Oui, on va peut-être réussir à débloquer les emotes là. Ou une des trois là. Vous choisirez parmi les trois. On mettra ça, les emotes communautaires. Bah oui, j'essaie de faire un peu plus de chaîne perso ces derniers temps quand même. Parce que, mine de rien, c'est important. C'est vraiment bon. C'est pas de la crème Nivea, c'est de la crème Bridélice.
C'est 250 les prochains subs hein, en emote. 250. On les aura. Après 250, c'est 500. Ça, on les aura pas. On n'est pas Mister MV. Quoique, si tous les personnes ici subaient, on y serait directement. Bon, enfin, c'est bon. 250, c'est déjà bien assez. Qu'est-ce que c'est bon, cette merde, quand même. C'est hallucinant. C'est incroyable comme les Doritos Paprika se marient super bien avec la crème fraîche. C'est surprenant. Ça donne à la fois un petit coup relevé et doux. C'est relevé et doux. Comment expliquer? Je ne sais pas. J'ai pas de métaphore qui me vient à la tête là. Tout de suite. J'ai aucune métaphore, mais c'est agréable. C'est ça qu'il faut savoir. C'est plutôt très agréable. Ah. De toute façon, j'ai la flemme de cuisiner. Moi, j'aime pas quand c'est trop épicé. Ça me baise l'estomac. Le paprika, c'est doux. Ah. Bon, on va peut-être jouer, hein. Aigre doux. Aigre doux. Mais c'est pas aigre. C'est pas aigre, le paprika. Et ben non. C'est juste bon. Tu trouves aucune métaphore sexuelle, tu veux dire. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mouda, 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 mouda. Le jeune. Le Jones. Qu'on pourrait dire le jeune. Merci pour le sub, paix, amour à toi. Voilà, on est 205. Très bien. Eh bien, on va commencer ce stream à 205. On y est bientôt. Hein. Rassurez-vous. Les emotes que vous voyez tourner ici vont bientôt devenir réalité. Vous allez pouvoir vous amuser avec les emotes, les choisir vous-même. Faire tout ce que vous voulez avec ces emotes. C'est super bon. Et on va jouer du coup à Jack et Dexter. Alors, Jack et Dexter, normalement, j'ai tout ici. Voilà, parfait. J'ai le son du jeu. Ah, je disais bien que j'avais le son du jeu. J'ai le son du jeu, je vais switcher de scène. Donc on était arrivé dans la forêt. Ouais, j'ai commencé le jeu, quoi. Change de scène, saloperie. Mais change de scène. Merci. On avait commencé le jeu, en fait. Mais dans la forêt, j'avais déjà perdu 34 vies. Parce que je suis qu'un sac à merde. Mais on l'avait exploré de façon très superficielle, cette forêt. Vraiment trop superficielle. Donc là, on va faire ça de façon un peu moins superficielle. Et on va essayer de faire les trucs bien. Déjà récupérer le maximum d'or précurseur. Alors, j'ai pas envie de le faire à 100% le jeu, mais je sais pas. Jack et Dexter 1, c'est bizarre comme jeu. C'est bizarre, pas dans un mauvais sens. Hein. C'est un jeu qui me donne envie de le faire à 100%. Je sais pas pourquoi. Quand j'y joue, j'ai envie de le faire à fond. À chaque fois que j'y joue, ça a été pareil. Ça a été exactement la même problématique. J'ai eu envie de le faire à fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'anime comment? Quels sont les réseaux sociaux de ces. Bon, ça sent les embrouilles ici. Ça sent les embrouilles. Je note quand même que la caméra a assez mal vieilli hein, de ce jeu. Hein. C'est pas difficile. Hein. D'un point de vue gestion de la caméra, le jeu. Mais bon, on va s'y faire. Hein. On va faire avec. Je sais même pas combien j'ai de mouches. Bah, pareil, la musique de ce stage-là est pas géniale. Mais bon, je pense que c'est pas... Ah, accroche-toi, mon coco, accroche-toi. Voilà, alors j'ai juste regardé en bas s'il y a... Ah, pourquoi est-ce qu'ils changent les caméras? Pourquoi est-ce que les mouvements de caméra changent en vue d'intérieur et pas en vue d'intérieur? Ça n'a aucun sens, mais c'est pourtant le cas. Pourquoi il y a de mouches ici? Je vais essayer d'aller récupérer le maximum de mouches que je peux. Ça, c'est de la merde. On va aller là-haut. Parfait. Voilà, des trucs auxquels je suis pas allé encore. Ça, parfait, impeccable. On va monter là-haut, récupérer quelques orbes. Sachant que des orbes, il en faut un l'infini des orbes. Je sais pas s'il faut les 2000. Je crois qu'il y en a 2000 en tout dans le jeu, des orbes avec tout ça. Je sais pas s'il faut les 2000. Non, mais d'accord, ok, je l'ai quand même pété. Caméra sur 20, caméra sur 20. Merci.
Voilà, récupéré, j'en suis à 5 sur 7. Il y en a 7 à chaque fois des mouches à la con. Là, il y a les orbes que j'ai pas encore récupérées parce que je ne sais absolument pas comment les récupérer. Comment on les récupère, ces orbes de merde? Dégage! Faut faire ça là sur les trucs. Faut faire tous les. Je sais pas. Non, à mon avis, il faut monter ça. Donc, à mon avis, en bas là. Il doit sûrement y avoir un interstice ici. Qui va me permettre de monter les trucs. Je pense. T'as juste un succès avec tous les œufs. Ouais, non, mais les œufs nous permettent quand même un succès. Un succès, qu'est-ce que c'est un succès? Non, mais les œufs nous permettent, outre les succès. Les œufs nous permettent quand même d'avoir des trucs cool. Comme des bulles d'énergie, par exemple. Je prends ça pour prendre ça. Ok, d'accord. Je sais pas si c'était très utile de faire ça, mais en tout cas... Dégage. Non, ici, j'y suis déjà allé, en fait. Ok. Mais je sais pas si je pourrais... Mais dégage. Je sais pas si je pourrais retourner sur un truc comme ça après. Ouais, c'est ça. Peut-être que je peux aller là. Peut-être. Peut-être que j'ai le temps d'aller ici et d'ouvrir cette porte. Il faut que tu te recharges avec ce truc bleu pour ouvrir ça. Ouais, peut-être. Peut-être que j'ai le temps. Quoique, il y a méga recharge de trucs bleus là-bas. Attendez. Je vais aller par là. Mais non, mais putain, mais accroche-toi, sac à merde. Là, là. C'est pas possible. Mais ma notion de perspective est tellement nulle. Je vais me recharger à fond, comme ça. Et là, normalement, je pense que j'en ai assez pour ouvrir le truc. Hein. Voilà, parfait. Impeccable. Ouais, c'est la VF, hein. Beaucoup de gens l'ont réclamé. Du coup, vous l'avez eu. Vous l'avez réclamé, vous l'avez la VF. Maintenant, faut être content, hein, pas être déçu. Ok. Parfait. 1, 2. Ok, je l'ai baisé. Je l'ai baisé. Parfait. Donc, maintenant que j'ai baisé ça, je vais me recharger dans cette merde. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? What? Sérieux? D'accord. Ok, là il y a un truc qui s'ouvre. Il faut qu'on monte sur cette tour. Il faut qu'on monte sur cette tour. Eh bien, montons sur cette tour. C'est parti. Ah, mais là ça se vide trop vite. Eh ben c'est pas grave, même si ça se vide trop vite, j'ai quand même tous les trucs. Très bien. Ça fait une mouche en plus, c'est parfait. Là, je vais monter sur la tour grâce à ça. Voilà, impeccable. Permet d'activer ça et de monter. Youhou! Non mais casse-toi! Dégage, dégage! Là, je suis bien monté aussi. Je continue de grimper. Gros... Putain, mais les phases de plateforme verdier! Oh, j'en ai marre. Vous n'avez pas vu, mais j'en ai eu marre. Ok, donc là, il y a vraiment une pile. Parfait. Grosse pile en haut de la tour. Grosse, grosse pile. Alors, en appuyant là-dessus, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que j'aurais pas fait de la merde, là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça rappelle trop Crash Bandicoot, ça. Ça, ça rappelle beaucoup Crash Bandicoot. Hein. Ok, donc je suis à l'intérieur du truc. Très bien. Là, je vais mourir. Parfait, impeccable. C'est très bien. Il n'y a pas de vie dans Jack et Dexter. Non, il n'y a pas de vie. D'accord, donc je remeurs, parfait, impeccable. Il n'y a pas de vie, il y a juste des points de sauvegarde, c'est ça? Alors est-ce qu'on peut me spoil? Ouais, ouais, le son du jeu est un peu fort. Ouais, mais moi je l'aime bien comme ça. Bon, à la limite... À la limite, je monte le son de ma voix. Mais je l'aime bien fort, le son du jeu.
Depuis, j'ai regardé dans le let's play, j'aime bien. Je l'aime bien comme ça. Il va encore faire le 100%. Oh, peut-être, ouais. Oh, après, c'est toujours plus rapide de faire les 20 orbes. De faire les 20 piles d'énergie dans les stages du début que de les faire dans. Après, je pense, hein. Donc, bon. Ouais, il y en a plein ici des piles. C'est cool. Petite pile. Petite pile au calme. Moi, c'est le pêcheur que j'étais venu chercher à la base. Waouh, vous avez vu ça? Les orifices d'écho bleu ont été activés dans le monde entier. Ah, ça, c'est cool. Qu'il existait un moyen. Il doit aussi y avoir des endroits pour activer les autres. Ouais, donc j'ai activé l'écho bleu partout. C'est grave violent. Ah ouais, ça c'est cool. What? Merde, quel con. Ouais, il y a des trucs là-bas, c'est cool. Dégage. Ouais, un boss incroyable. On va pouvoir lui péter la gueule. Dégage! Comment je lui casse la gueule à lui? Je crois que je l'ai touché là. Je suis pas sûr. Mais... Ok, donc je crois que je fais que de la merde sur ce boss en fait. Ah d'accord. Ouais, c'est ça. J'ai fait que de la merde. J'ai fait que de la merde. En fait, les trucs comme ça, je peux pas les toucher trop. C'est que quand ils sont comme ça que je peux vraiment les toucher. Très bien. Et là le truc, il va faire ses fleurs, fleurs, fleurs. Et de 3. Est-ce que 3 coups suffisent? Ah ouais, 3 coups suffisent. Putain, c'est vraiment de la merde ce boss. Non mais c'est pas possible, je vais avoir tout récupéré dans le niveau. C'est donc ça. D'accord, c'était ça qui était caché. Et ça, c'est bonne nouvelle. Ok, bon là au moins je vais récupérer un peu parce que j'en avais pas mal perdu. Ok. Ah c'est bien, les échos bleus activés partout, ça c'est cool. Alors attendez. Maintenant je peux soit descendre. Bon, j'ai toujours moi, je dois toujours chercher le pêcheur. Hein. Comment ça trop tard? Tape sur la plante, elle fait sortir des orbes. Quel sac saute sur sa tête? Ah ouais? Sérieux? Tape sur la plante, elle fait sortir des orbes. Ah merde, bon bah j'ai raté des orbes, d'accord. C'est pas grave. C'est la vie les gars. Ah, c'est la vie, c'est la vie. Cassez-vous et toi casse-toi. Je sais pas pourquoi ils réapparaissent tout le temps, ils sont assez casse-pieds. Moi je veux juste la mouche qui est je sais pas où. Je peux vous l'attraper là la mouche. Ah voilà, c'est là la mouche je crois. Voilà, c'est ça, c'est là. Parfait. Bah voilà. Impeccable, j'ai la mouche. Blum. Et là je suis où alors au niveau de... J'ai tout sauf attrape 200 kg de poisson et connecte les faisceaux des coups. Je les ai fait ça connard. Ah non, ça c'est là-bas. Je l'ai pas fait. Sortons de là. Bordel de fion. Déjà, on va attraper le poisson, d'où le pêcheur. Forcément un pêcheur dans le coin là, non? Vous auriez vu un pêcheur dans le coin? T'as vu un pêcheur? T'as vu de pêcheur toi, tu te fais un peu chier. Ouais, non, là je vais crever. Bouda, 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 bouda! Merci Fireblaze pour le resub.
Normalement, si j'ai 3 orbes et que je vais jusque là-bas. Si je me la joue comme ça. Avec un écho bleu là. Un écho bleu là. Un écho bleu là. Et que j'y vais en mode méga vitesse comme ça. Je vais bien pouvoir toucher le truc. Voilà, parfait. Voilà, parfait. Ça, ça me plaît. Il est en contrebas dans le premier pont, le pêcheur, d'accord. Merci. Oh putain, oh putain, arrête de faire triple saut. Parfait. Le premier pont, c'est pas ça le premier pont? Oh, ça ressemble à ça. C'est ça le premier pont. Ouais, on descend. Ah bah voilà. Il est là. Ah, le mini-jeu du poisson, ah le meilleur. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas des orbes récurseurs dans le coin. Non. Ah, le mini-jeu, mini-game, parfait. Y'a quoi dans votre panier? C'est rien cool. Intéressant. Ces monstres de l'océan ont dévoré mon matériel de pêche. Et depuis, ça m'avale mes prises. J'ai tout essayé. Mais je n'attrape plus rien dans cette fiche rivière. Votre haleine sur ma... Tu crois que tu peux faire mieux? Essaie de pêcher avec ce petit filet. Je te donne une pile d'énergie si tu ramasses 200 kilos de bestioles. Et vous laisse à toi. Une pile d'énergie, très intéressant. Pour aller à l'île de la brume. Alors, tu veux tenter ta chance? Ouais, ouais, je tente, vas-y, balance ta merde. Il y a deux types de poissons à prendre. Ceux d'un kilo... Et ceux de 5 kilos. 1 kilo et 5 kilos. Si tu laisses passer 20 kilos de ton poisson, je te reprends mon filet. Il y a des anguilles toxiques dans ces eaux. Des anguilles toxiques? Si tu attrapes une de ces sales bestioles, elle empoisonnera toutes tes prises. Allez, c'est facile. Ah, la jouabilité est catastrophique. Pourquoi la jouabilité est nulle? Jouabilité, jouabilité. En voilà un gros. Jouabilité, s'il te plaît. Ah, normalement, je suis imbattable, mais il faut une jouabilité quand même. Ces trucs-là, moi, c'est mes... Ok. Il faut être plus subtil. Bien. Il faut être plus subtil. En voilà. Ah, ça va. Merde. Ah, le fun est total. Le fun est total. Le fun est présent. Ouais, je l'ai. Ouais. Bien, petit. Ago, faut souquer ferme. Ouais, je souque ferme. C'est bon. Ben, je me souviens à l'époque, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans et je faisais un perfect. C'est tout? Voilà la pile d'énergie. D'accord. Merci. Et tu peux prendre mon bateau au port du village. Quand tu voudras. Bah voilà. Faut zouker ferme, mon gars. J'ai zouké ferme. Ça s'est bien senti que j'ai zouké. Putain, j'ai eu tellement zouké la tête. Donc maintenant, faut que je connecte les faisceaux, là. Je me souviens plus comment on fait. Comment on connecte les faisceaux? Des conneries. Dégage toi. Ah, laisse-moi connecter les faisceaux. Va-t'en s'il te plaît. Donc ça c'est un faisceau. Comment est-ce que je l'allume cette merde? Ah là là, je suis vraiment si peu doué que ça.
t'accrocher. Dégage. Où est-ce qu'on connecte ces putains de faisceaux? Moi la paix. La machine est là. Déjà j'ai la machine ici. Pousse-toi, je te dis. Laisse-moi récupérer un peu d'énergie. Merci. Voilà. Parfait. Énergie récupérée. Maintenant, 1, 2, 3. Là, j'ai arrêté la machine le dernier coup. Il y avait un faisceau là. Donc, le faisceau. Il va là. Comment je les connecte, ces salopes? Merci pour les petits MP. Ça fait quand même des gros pavés. Je dirai ça plus tard, hein, les gars. Comment on connecte les faisceaux, bordel de chiottes? En bas du lampadaire au miroir. Ah oui, appuyez sur rond pour l'utiliser. Alignez le faisceau en le pointant vers la tour suivante. Ah oui, vous avez raison. On peut le toucher là. On peut suivre le faisceau pour trouver la tour suivante. Ah, donc la tour suivante se trouve par ici. Par là. Impeccable. Je vais aligner le faisceau ici. Parfait, c'est tout. Allons à la tour suivante pour reconnecter le faisceau là-bas. Allons à la tour suivante pour reconnecter le faisceau là-bas. Alors la tour suivante se trouvait là, juste en face de moi. C'est ici. Je suis en train de me repérer dans un environnement 3D, les gars. C'était pas gagné de base, hein. Ok, donc c'est normalement là. Là je dois trouver la prochaine lunette des chiottes, qui se trouve ici. Parfait. Alors ça suffit ou ça suffit pas? Ça suffit pas. Mais attends, je l'ai envoyé là-bas. Là, je me suis complètement cassé la gueule. Ça ne m'aurait pas étonné. Ah, il va falloir que je passe de l'autre côté. Ça te fait rigoler, toi? Ça te fait rire? Mais Jacques, fais quelque chose! Il est en train de se foutre de ta gueule. Il y a une énorme flèche jaune. C'est pratique, j'avoue. Oh, la jouabilité sur 20. Oh là la jouabilité sur 20. Putain, il a fallu gérer une caméra. Tellement mon match-up la caméra de la vie. Dégage-toi. Donne-moi ça. Impeccable. Alors faut l'envoyer où cette merde maintenant? Là-bas? Là-bas. Et c'est bon là. Ah putain, faut que j'aille à l'entrée. Ça ne me foutra donc jamais la paix. Ah, j'ai mal là? Ah ouais, j'ai mal. Plus dur sera la chute quand même. T'arrêtes de rigoler comme un connard, c'est assez désagréable. Ok. Ah bah attends, mais si je me casse la gueule là, je vais encore mourir. J'ai pas envie de mourir, maman. J'ai pas envie de mourir, je veux descendre de façon légitime. Comme ça. Que se passe-t-il? Où sommes-nous? La plage! Ah non, j'ai mis des orbes précurseurs aussi. Je ramasse ça. Oh là, j'ai tellement fait un 2000%. Et voilà, village des sables, 50 sur 50. Parfait. Allez, donnez-moi ça. Où est-ce qu'il faut pointer ça? Ici. Et là, normalement, maintenant que j'ai repointé ça là-bas, j'obtiens une pile d'énergie. On devrait aller dire à ces moulins paroles de mer qu'on lui a rendu un service en connectant les faisceaux d'énergie du village. Alors c'est vachement marrant. Parce qu'en fait, il va me donner une orbe pour un autre niveau, c'est ça? Bon là je pourrais aller récupérer une orbe à 120... Je pourrais récupérer une pile d'énergie à 120 orbes précurseurs. What? Bien! Vous avez assez de piles d'énergie. Déjà? Pour alimenter mon bouclier thermique. Sérieux? Retrouvez-moi au canyon de feu, sur la falaise derrière la maison du fermier. Ouais! Les piles d'énergie
et dépêchez-vous. Mon père a vu de nouveaux lurkers. Putain, je suis allé vite. Hey, allons au port voir le bateau de Merou qui fouette. Putain, je suis allé trop vite pour récupérer toutes les piles là. J'en ai déjà 20. Putain, j'en ai déjà 22. Là, il m'en manque une, mais je vais aller la récupérer juste après. La jungle interdite, là, je vais le faire. Bon, allons récupérer ça. Te casse pas la gueule. Te casse pas la gueule. Hein. Même si t'essayes de te déplacer vite. Il s'agit d'être subtil quand même à un moment. Parfait. Oublie pas. Ouais, je vais aller à la plage après, bien sûr, bien sûr. Il me reste une pile à récupérer à la plage. Salut le vieux. Le vieux. Je recherche un vieux. Vieux. Bonjour. Le bombardement empire. Trouve le pêcheur dans la jungle. Obtiens la permission d'utiliser son bateau. Et rends-toi à l'île de la brume pour arrêter le canon. Et toi, Baxter, passe la serpillière. Tu ne vois pas ce passant ici. Quoi? Connard. Et ma pile. Et ma pile, putain. Ah, c'est le maire. Ah, c'est le maire que je dois aller voir, d'accord. Okay. Bon, après, moi, si je me trompe de personne à aller voir aussi, suffisait que je suive le faisceau. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oh, attendez, ça, c'est le pêcheur. Non, mais s'il te plaît, laisse-moi. Ah, le faisceau, il est là. C'est toi, le maire. C'est toi, le maire. Allô, le maire. Quelle vision merveilleuse. Bouddha. Ah, capafou. Je mange à ta santé. Merci pour le sub. Au village et assurer ma réélection. Et pour ça, mon garçon, voici une pile d'énergie. Voici une pile d'énergie. Merveilleux. Ouais, j'ai foutu du truc sur ma manette. Voici une pile d'énergie. Je te lirai après, Kavrak. Hein. Là, je suis concentré dans le game U. Je vois, tu m'envoies des MP. Tu as l'air d'avoir des idées intéressantes. Auxquelles je semble avoir déjà pensé, mais tout de même. Donc là, maintenant, je vais pouvoir réveiller un peu les trucs là-haut là. Voilà, maintenant qu'il y a les trucs d'énergie qui sont là, je vais peut-être pouvoir me diriger justement un peu plus haut. Dans cet endroit de merde. Voilà, par ici. Parfait. Retourne à la plage. Là, on est à 206 ou 205 subs. Enfin, c'est marqué à l'écran de toute façon. En bas à droite, vous avez le nombre de subs actuellement. Voilà. J'aurais peut-être les laisser. J'aurais peut-être les laisser tout casser en fait. Est-ce que je devrais pas lui laisser tout casser lui? Je devrais lui laisser tout casser hein. Et pourquoi il me tire pas dessus ce Zaka merde? De toute façon, je dois tout recommencer là. Je pourrais pas accrocher ça. Je dois me refaire la séquence, mais c'est pas grave. On va voir. On recommence. On va à fond. Par ici. Par ici. Là, je me recharge. Par ici. Et là, on va leur péter la gueule. C'est bon. Utilisons le canon. Voilà, la pile est là, parfait. Impeccable. Et ça, c'est la dernière pile de la plage, je crois. Donc, la plage, c'est 100%. Je vais quand même utiliser le canon.
facile, hein. Ah, je peux charger. Ah voilà, c'est bon. Bon voilà, j'ai tout. Qu'est-ce que j'ai encore à détruire là? Des trucs à détruire? J'ai plus rien à détruire. Si? Oui, des trucs à détruire encore? Non, plus rien à détruire. Y a plus rien, c'est cramé. Je peux pas aller à l'intérieur de ça? Dans ce bâtiment là. J'aurais bien voulu y aller. Je crois que j'ai tout, hein. Ouais, c'est tout. J'ai tout sur la plage. C'est bon, hein, la plage elle est 100%. Ouais, il y en a encore ici. Ah non. Non, ça c'est pas bon. J'ai entendu UA. Quand j'entends UA, généralement c'est pas bon. Ah, j'en avais raté des orbes ici. Il y en a plein qui se cachent partout, des saloperies comme ça. Ah d'accord, tu voulais pas venir toi. Viens là. Merci. Il faut récupérer le maximum d'orbes. Ok. Je vais aller les récupérer, les autres là-bas aussi. Après, il y en a dans l'eau aussi. Ah, c'est. Ça va me casser un peu plus les pieds. Au bout d'un moment. C'est pas grave, hein. On survivra. Voilà, on a survécu, parfait. Là, on se casse. Comment on fait le... J'étais persuadé qu'il y avait un Roman Cancel à faire, là. Avec cette attaque, voilà, comme ça. Un truc comme ça. Tac, 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 voilà, comme ça. Il y a encore des orbes vers le nid du pélican sous l'eau. Ouais, ouais, je pense aussi, ouais. Bon, écoutez, c'est pas la fin du monde. Apportez vite les piles d'énergie. Je sais, ta gueule. J'attendrai à l'entrée du canyon de feu. Putain, au sommet mais... de la falaise, derrière la maison... Jennifer Love Hewitt, quoi. Donc, le village de sable, il me faut 240 orbes pour le finir. Là, c'est fait. Ensuite, il y a l'île de la brume. Bon, on va aller l'île de la brume, hein, quand même. Vibration. Non, 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 mais ta gueule. Non, mais ta gueule. Juste ta gueule. Merci. Mais ta gueule. Je veux sortir de là. Merci. Voilà. Là, on va aller l'île de la brume. Plutôt que de la suivre, elle. Il y a des trucs à faire, île de la brume. Je suis tombé comme un con. C'est parti. Je me suis renversé du truc sur ma gueule, mais je sais vraiment pas manger. Cet endroit me donne la chair de poule. Et crois-moi, c'est une sacrée expérience. Quelle horreur. Quand tu es recouvert de poils. Une pile d'énergie là-bas. Bon bah voyons voir ce qu'il y a là-dedans dans ce canyon. Déjà il y a plein d'orbes, ça c'est bien. Les orbes c'est cool. Et plonge sur la balançoire. Ouais. Grosse expérience, hein. Grosse expérience. Grosse, grosse expérience de jeu. Est-ce qu'il y a d'autres orbes ici? Non. Ah, fous-moi la paix. Sors du menu. Merci. Salut toi. Ok, bon, lui il m'a one shot. Je préfère que ce soit toi que moi. Connard. Non mais c'était juste pour tester quelques trucs. Vous en faites pas, de toute façon le jeu sauvegarde. Mourir c'est même pas grave dans le jeu. C'est pour ça que je fais même pas attention. À la limite mourir te redonne des PV. Mourir te redonne des PV. Je sais même pas c'est quoi le concept de la mort du coup dans le jeu. Y'a rien qui est punitif en fait. J'ai moi la muse du sculpteur.
Ouais, elle a vu Scudder. Ah ouais, c'est vrai, elle est là. Magnifique. Grosse muse qui me fait bien chier. Viens là, la muse. Ça t'amuse? Je l'ai eu là. D'où ça je l'ai pas eu? D'où je l'ai pas eu? Mais d'où je l'ai pas eu? Non mais... Muse de merde! Mais reviens ici! Saleté de muse! Je déteste. Je déteste ça. Mais va te... Voilà. Chez les Grecs. Voilà, je l'ai, bordel. Impeccable, merci. Moi, je l'avais eu le dernier coup, c'est scandaleux. Je savais que c'était dur d'attraper une muse, mais à ce point-là... Ma muse à moi, elle ressemble pas du tout à ça. Elle a un joli sourire. Elle ressemble à rien, sa muse. Allez, on va. Parfait. Je récupère ça. Donc là, on a une petite vision panoramique de cet endroit. Mais c'est bien de la merde, personne va vivre là. Hein. Hop là. Dégage, dégage, dégage. Ouais, shop spé, ouais. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Va-t'en. Ah, il me faut de... Il me faut de l'écho bleu. Ah, ne tombe pas dans la brume en dessous. Oh, on ne s'en sortirait jamais. Crois-moi, ces boîtes d'écho noir ne présagent rien de bon. Oh putain, la vache. Mais insupportable. C'est parfait. Impeccable. Je me sens bien comme un con. C'est parfait. Surtout ne mettez pas le jeu. Bien fait de la merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis sûr que je peux accrocher ça. Je l'avais déjà fait. Non, je l'ai fait. Voilà. Alors maintenant on y retourne. Je prenne ça. Ensuite je descends de là. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Et j'active la tête. Impeccable. Nickel. Bonne soirée de show. De la super énergie. Alors j'ai quoi? De la brume? Ok, j'ai récupéré un des trucs qui servait à rien du tout. Il y a l'air d'avoir de l'écho rouge aussi. Ça tue ça l'écho rouge ou pas? L'écho rouge rend tes attaques plus puissantes. C'est vraiment bien. Oula, je peux les one shot avec l'écho rouge. Impeccable. Allez, on va ouvrir ça. Fais attention. Tu te souviens de ce qui s'est passé ici la dernière fois? C'était passé quoi ici la dernière fois? C'est une embuscade. 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 Ah merde. Oh là là, mais l'embuscade. L'Ariat. Ah bah j'ai pris l'embuscade. J'ai pas vu que je me... Est-ce que je peux avoir ta collection d'insectes? J'ai pas vu que je m'étais fait tirer dessus en plus. Pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va tourner.
Oh là là, mais quelle merde! Le recover des attaques fait vraiment chier. Est-ce que je peux péter ça du coup? Non. Non, mais bordel! Je sais par quoi là, casse-toi! Redonne-moi de la hive! Jeu de merde! Voilà, parfait. Je vais aller leur péter la gueule! Je ne devrais pas là-dedans, j'ai promis! J'ai récupéré la pile. Ah, Gladiator. Quelqu'un a vu d'où ils me tiraient dessus, les fils de pute là? Ça me tire dessus d'où là? De là-haut. Faut aller là-bas ou faut que je sorte, c'est ça? C'est ça, ouais. Fallait pas que je sorte de l'autre côté, du coup. C'est quoi ça? Je peux monter dessus ou pas? Oh, vu comment ça glisse sur la plateforme, ça a pas l'air, hein. Moi, j'ai un autre trou là-bas, mais je vais aller là-bas. Ça s'ouvre ça? Ouais, ça s'ouvre. Voilà, qu'est-ce que je vois? Rien, c'est terrible. Dégage. 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 Avec la caméra. Dans la boue. Pousse-toi. Mais n'importe quoi, mais j'ai jamais demandé ça. Éclate-le, éclate-le, éclate. Merci. Non. Dégage. Où suis-je? Qui suis-je? Où vais-je? Toutes ces questions existentielles. Putain, la caméra. Putain, j'en ai que deux des mouches en fait. C'est pas beaucoup, hein. Je peux pas aller sur cette colonne brisée. Comment je vais là-haut? Je vais aller là, moi. Si je vais aller là, je fais quoi? J'arrive par là. Oh là, il y en a des trucs. Oh là là. C'est grand, ce monde-là. Mettons, je passe par là. Ah, tellement, c'est tellement collé. La caméra se colle tellement à toi. Renverse ses os. Renverse ses os. D'accord. Je l'ai renversé, je sais pas trop pourquoi, mais je l'ai fait. Ok, super. Qu'est-ce que j'ai du mal à voir avec la caméra de ce jeu, c'est un truc de malade. Tellement du mal à apprécier les distances. Je suis vraiment pas fait pour les jeux 3D. J'ai pas dû être codé en 3 dimensions à la naissance. J'ai dû être codé en 2D. Mais là, j'ai pas assez pour charger ça, c'est clair. J'ai l'impression que je me dirige plutôt dans le bon sens. Voilà. À mon avis, par là, c'est plutôt bon. Ça sent bon, c'est par là qu'il faut aller, je pense. Hop, impeccable, oui, c'est par là. Petite mouche. Ah, ça fait pas de mal à papa. Casse ça. On se fait attaquer, mais bon, c'est pas grave. On sera pas attaqué de toute façon. Dégage. Petite orbe. Ouais, il y avait une pile ici, cool. Au pif, comme ça, une petite pile. Petite pile au pif.
Non, je galère pas trop. Tu penses quoi de Rum Station? Bah moi je l'utilise beaucoup, Rum Station. Il est sur mon PC de jeu. Ah merde. Ça sent la mort. What? C'est cool. Allez, détruis-le, s'il te plaît. Merci. Parfait. Et d'un, et de deux. Voilà, parfait. Et de un, et de deux. Là, étonnamment, les distances s'estiment assez bien. Ce qui est assez bizarre. Ouais. Hop, je l'ai pris en pleine gueule. C'est pas grave, car maintenant, je suis arrivé ici. Et là, il y a un canon, normalement. Il y a les mecs avec le canon. Casse-toi et casse-toi. Parfait. Ah oui, d'accord, je l'ai détruit, une pile d'énergie aussi. C'est gratuit. Pile d'énergie aussi. Je dois l'admettre, je suis impressionné. Vous vous en êtes très bien tiré. Évidemment. Désormais, les Lurkers ne peuvent plus ouvrir ce silo pour envahir le monde des Connoirs et causer sa destruction. Ce n'est pas la peine de sourire bêtement, Daxter. Vous avez encore beaucoup à faire. Allez, action. Ah voilà. Ça c'est fait. Comment comme ça ils me casseront plus les couilles. J'aurais bien pété la gueule. Mais j'entends une mouche. J'entends complètement une mouche. J'entends une mouche. J'entends une mouche, voilà, j'entends une mouche. Alors attendez. J'ai libéré les 7 mécamouches, normal. Et ramène la muse au sculpteur. Et j'en ai deux autres, je sais pas ce que c'est. Alors qu'est-ce que j'ai oublié d'explorer là? Je vais voir à partir d'ici si je trouve pas une mécamouche. Bah non, y a pas de mouche. Ah bah si, y'en a une là. Ouais, y'en a une ici. Ouais. J'ai pas tout fait là. Non, j'ai pas tout fait ici. Ouais, j'y retournerai après, c'est pas grave. Je vais tenter le saut de la mort. Et c'est réussi. Par contre, je sais pas du tout où j'ai atterri. C'est quoi cet endroit? Oh, il y a une autre mécamouche à côté. Et il y a de l'écho de couleur. Mécamouche parfait. Impeccable. Bah écoute. À mon avis, c'est plutôt bon. Comme ça, je peux prendre les orbes qu'il y a là. Voilà, on va récupérer ça, hein, c'est gratuit, je les ai pétés de toute façon. Parfait. Je vais aller de l'autre côté. Juste là. Hey, 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 hey. Je me demande si j'ai vraiment le temps d'atteindre la... Je pense que je peux avoir le temps si je saute bien. Là par contre je saute pas bien du tout. Ouais, j'ai réussi hein. J'ai réussi. C'est pas mal. Ok, donc il me manque une mécamouche et il me manque des trucs. Je pense que ça va être sur le bateau là. Il y a un ponton du bateau que j'ai pas pris du tout, c'est ce coin là. Ça je l'ai pas pris. À mon avis il doit y avoir des trucs ici. Voilà, il y a un machin ici. Oh là là. Oh non, mais je suis pas mort. C'est faux. Tant que tu es par terre. Et tu pourrais me masser les pieds. Quel bâtard, il met tellement le bois que Dexter. Il y a une pile dans l'arène encore. Genre au centre, il faut faire exploser le truc.
beaucoup pour gagner la vie. Mais bon, perdre, c'est pas trop grave, quoi. C'est un peu terrible, quand même. Hein. La défaite dans ce jeu, elle est vraiment pas très punitive. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, par exemple? Qu'est-ce que c'est? Fonçant sur ces ballons leur cœur pour les éclater. Dans quoi? D'accord. D'accord. Ça aussi, ça ressemble à du Crash Bandicoot, du coup. Ok, il y a une pile d'énergie ici. Non, mais t'es sérieux, j'ai raté l'ordre. C'est sympa. Ok, ça j'irai faire le chemin après. Je vais essayer de tous les buter comme ça. En plus, il va y en avoir d'autres des trucs comme ça à certains moments, je crois. Et je vais rentrer dans la gueule. Ah, ça c'est fait. Magnifique. Magnifique, tu pouvais pas être plus magnifique. Ok, donc ça j'ai pris. Encore ? Poussez-vous. Voilà, lui il est mort. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans ? Merde, elle vient de la merde. Non mais attends, mais s'il te plaît, respecte-toi. Ouah, ils sont infinis eux. What ? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, je les ai tous tués. Ah oui, donc c'est bien ça qu'il fallait faire. Ok. C'était bien ça qu'il fallait faire. Je peux sauter avec X? Bah non, X c'est accéléré. Bien! Vous avez arrêté tous les lurkers poseurs de mines. Ils menaçaient les eaux proches de notre village depuis des semaines. Ramenez le zoomer au transpad et je le téléporterai. Ah cool, il y a un truc ici. Parfait! Ça, c'est les mécamouches. Là, je vais récupérer les orbes ici. Impeccable. Faut que je remonte quand même parce qu'il y en a un dernier... Il y a un dernier truc à récupérer, faut quand même aller assez vite. Ah 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 ah, ça t'abuse, Naughty Dog. Ça t'abuse. Ouais, c'est la voix de... Non, quoi, pourquoi je l'ai pas eu? C'est un scandale. Genre, j'allais pas assez vite. Je me troll. Mais récupère ça, bordel! Accélérer et freiner. Attends. Attends. Ah, c'est vrai que je peux sauter avec ça, visiblement. Ah, je peux sauter avec elle. Aïe. De sauter avec R et L. Voilà, parfait. J'ai réussi à trouver le saut, les gars. C'est bon, on est sauvé. Après, ça me fait chier de laisser quelques orbes là. J'ai tout là. Putain, j'ai tout. J'ai tout, les mecs, j'ai tout. Mais non. Mais quel chauffard. Aïe! Mais apprends à conduire vers des sacs! Ah, merci. Parfait. Allez, je ramène ça là. Impeccable. Et on se casse, hein. On n'a plus rien à faire avec tout ça. On va aller par là. Sûrement la dernière zone que j'ai pas vraiment explorée. À moins que ce soit la zone que j'ai explorée, que c'était le début. Et que là, c'est la sortie. Je sais pas, de toute façon, il y a des angles de vue. Oh, ça ressemble au début, ça, non? Ouais, c'est le début, ça. C'est cramé. C'est ça, c'était le début. Bah, j'ai bien fait le tour de l'île. Merci.
Voilà, alors ça c'est 100%. Un. Hop, hop, et voilà, on se casse. Tu joues sur PS3 ou PS4 là? PS3? Il est sur PS4 le jeu? J'étais pas au courant qu'il était sur PS4. Ah ah, c'est malin. D'où tu es tombé? Le double saut est bizarre, je trouve. Non! Ah! Je me souviens des fois où j'essayais de provoquer le. J'essaie de provoquer le jeu. Alors, il est où le mec de la muse là? Il est où le sculpteur? Ça, c'est un connard. Ça, c'est le maire. C'est toi le sculpteur? Pardonnez-moi. Oui, c'est toi le sculpteur. Je te ramène ta muse, du con. Oh, ma muse! C'est du sauve! Vous êtes vraiment très fort. Ouais! C'est une pile d'énergie. Oh, merci! Elle ne me sert plus car j'ai retrouvé mon inspiration. Bam! Au revoir. Voir. C'est le 100%, parfait. Donc là j'ai le 100%. C'est une très bonne nouvelle. Aïe. Faut juste que j'aille par là maintenant récupérer les deux orbes de l'oracle. J'ai raté. J'ai retrouvé mon chat, voilà une pile nucléaire. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu tout l'idée de Jack et Dexter quand même. Ouais, allez hop. Ouais. Récompense. Voici une pile d'énergie. Une pile d'énergie en récompense. Une pile d'énergie en récompense. Vous avez fait vos preuves. Voici une pile d'énergie. Une pile d'énergie. Une grosse pile d'énergie, hein. Voilà. J'en suis à 34 déjà. Putain, mais ça fait même pas 2 heures que je joue. Bon, ensuite il faut aller sur le truc de feu. Le truc de feu c'est par là. Bon là j'ai 100% les premières zones, hein, déjà. Arrête de parler le vieux, tu me fais peur. Après il y a plein d'autres zones dans le jeu, hein. J'en ai récupéré qu'un tiers là d'épines. Salut. Super! Vous avez les 20 piles nécessaires à mon putain, bouclier. Putain, mais Jennifer Love Hewitt. Attention, le bouclier ne protège le zoomer que jusqu'à 500 degrés. Alors veillez à ne pas les atteindre. Il se réchauffera très vite si vous survolez la lave. Et si vous atteignez 500 degrés, ce sera fini. Fini? Comme du métal tout fondu et brûlant? Le canyon de feu est très chaud. Alors essayez de faire des sauts pour éviter le sol brûlant. J'ai aussi relâché plusieurs ballons bleus de refroidissement que vous pouvez utiliser pour rafraîchir le bouclier. Oh, et quand vous aurez traversé, n'oubliez pas d'activer la porte de téléportation dans le labo du sage bleu. Ainsi, nous pourrons nous téléporter jusqu'à vous. Bonne chance. Ok, le labo du sage bleu, parfait. Allez, on va essayer de récupérer ce qu'on peut. Ces ballons pour refroidir. Parfait. Des mécamouches ici aussi. Ah. Essayons de prendre de l'altitude avec ces lurkers. Je suis vraiment, vraiment super doué. Mécamouche 1. Les lurkers, on s'en fout. Ça va pas très vite, hein. Mécamouche 2. Ah, j'ai oublié de me refroidir. What? Oh, mais attends. Mais non! Mais tu te trompes pas. Oh, regarde! Finalement, t'es refroidi là!
D'accord. Il est parfois dit. L'émission, il est pas refroidi. Il n'y a pas un boost à utiliser, je comprends pas. Il n'y a pas de boost. Attends, mais tout ce que j'ai récupéré, c'est bon déjà? Ok. Ça refroidit pas trop, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ça reste quand même méga chaud, hein. Le virage sauté pour mieux tourner. Mais ferme ta gueule. Tout va bien. Non mais c'est ce que tu crois. J'essaye vraiment d'éviter ces boîtes d'écho noir, pas vrai? Ouais. C'est bon. On l'a. Boost, c'est l'écho bleu, d'accord. Voilà. On a à peu près tout récupéré. C'est bon. Oh, ça s'en va en plus. Bah voilà, on est de l'autre côté. Voilà, c'était pas si dur. Petit village de pierre. Salut. Waouh, ça a l'air mignon tout plein ça. Oh, je me suis planté. Putain. Oh bah voilà, bah super. Je voulais découvrir le village de pierre. Voilà, je voulais découvrir le village de pierre, je me suis fait bouffer. Moi, tout ce que je voulais, c'est découvrir. Hein. Salut. Oh, ça a l'air la guerre ici, qu'est-ce qui s'est passé? Tourne ta putain de fucking caméra, je t'en prie. Village de pierre. Oh putain, les sales ambiances. Hey, nous attendons toujours. Activez la porte de téléportation. Ah oui, pardon. Heureusement qu'il est là, le jeu, quand même. Heureusement qu'il est là. Je crois que je ne m'habituerai jamais à cette espèce de chatouillement du téléporteur. On dirait que le sage a fait une fête. Oh, là-bas, le village des pierres est en flammes. Merde. Oh, ça, c'est une sacrée fête. Non, non. Le village des pierres se fait bombarder de rochers enflammés. Oh, et on dirait que le sage bleu travaillait sur une machine à lévitation pour les déplacer. En supposant que cela fonctionne, il va nous falloir des piles d'énergie pour l'alimenter. Je pense qu'il va falloir que vous en trouviez plus. Nous ferions bien de regarder ces notes. Plus ! Va voir les villageois. Merde ! Et reviens nous dire ce qui se passe. Et emmène la boule de poil. Merde ! Tu veux dire qu'il va falloir trouver des piles d'énergie? C'est pas possible. Sur tout le jeu, je vais m'amuser à trouver des piles d'énergie tout le temps. En fait, le jeu, c'est des piles d'énergie. Ok, bon, j'ai la mécamouche. J'essaie de trouver des membres du village. Mais il n'y a pas âme qui vive. C'est la misère sexuelle même à la taverne. Allô? Un membre du village. Bah qu'est-ce qui s'est passé mon vieux? Oh t'as pas l'air bien. Oh non, pas un autre héros. J'ai perdu ma culotte lors d'un combat d'un pseudo-héros contre le monstre. Croyez-moi, il faut miser sur le monstre. Ce pari m'a complètement ruiné. Mais j'ai une proposition. Apportez-moi 90 orbes pour que je puisse me refaire et sortir de ce tonneau en échange d'une pile d'énergie. Et si ça vous tente, je vous propose un autre pari. Si vous battez le record de la course du défilé du défunt dans le bassin précurseur, à moi le gros lot! À moi le gros lot! Ce qui vous vaudra une nouvelle pile d'énergie. Ouais, vas-y, Bing. Oh, oui. Je parie sur toi. Ces orbes vont enfin m'aider à sortir de ce tonneau. Voilà la pile d'énergie promise. Merci beaucoup. Tu es très généreux. Grosse pile d'énergie. Mais arrête de chialer. Oh, dieu, ma pauvre tête. Ce n'est pas l'un de vos organes vitaux.
Allons, dîner, soldat. Mille guacs, Dexter. Sûrement le plus fort de tous, même. Tout seul, j'ai défendu ce village contre ces affreuses créatures pendant presque une année. Une année, c'est bien. Et puis, ce monstre horrible est arrivé et il a l'air zéro. Bombardé. Alors, il a l'air zéro. Plein d'ardeur et de courage. Je suis monté sur la colline pour l'affronter. Ouah, c'est Hercule. Mais il m'a aplati comme un vulgaire steak de Yako. Vous avez déjà essayé de l'attaquer avec vos tirades? Parce que moi, ça me tue. Après ma dernière défaite, il a bloqué la voie menant à son repère un bloc de 30 tonnes. 30 tonnes. Depuis, plus personne ne peut aller le défier. Oh... Alors, notre sage, maître en écho bleu et mécanicien de génie, a conçu une machine capable de dégager ce bloc du passage. Du passage. Oh, mais hélas, il a disparu avant que nous ayons pu l'essayer. J'ai l'impression qu'il n'y a que 20 doubleurs en France et qui servent toujours. Ouais, lui. C'est ça, c'est complètement ça. J'ai quand même réussi à retirer assez de passerelles de notre pont pour empêcher le monstre de venir ici me faire du mal. Pour éviter de me faire bobo. Il va falloir que vous les remettiez en place et tout ça. Bien sûr. Et causer ma perte. Bon. D'accord. Amenez-moi 90 orbes et je remettrai les passerelles. 90 orbes. Je refuse de me battre contre ce monstre à nouveau. 90 orbes. Non mais espèce d'enfoiré. Genre je dois te payer pour que tu fasses ton taf. Qu'est-ce que c'est que cette bande d'incapables dans ce village? C'est hallucinant. J'ai pas besoin des passerelles, je peux y aller sans. On est d'accord, c'est cramé. Voilà. J'étais sûr que je pourrais y aller sans. Ça ne pose aucun problème. Et bien sûr, aucun putain de poisson ne va me bouffer le cul. Non, jamais. C'est cramé. Voilà. Pas besoin de passerelles. C'est de la merde tes passerelles. J'y vais sans passerelles. Oups. J'ai l'air d'avoir faim quand même. J'ai l'air d'avoir bien faim ce poisson. Laisse-moi récupérer ça déjà. Parce que ça me titille de le voir ici depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a ici? Marécage. Oh là là, les marécages, je m'en souviens des marécages. Ah ouais, oh, c'est un monde ça. Oh, j'ai pas envie. J'ai pas envie là, tout de suite, j'ai pas envie. Je vais me faire bouffer direct. Voilà, je me suis fait bouffer, au moins. Ça a le mérite d'être clair. Où est-ce que je suis? D'accord. Ici, ça semble être un checkpoint. C'est n'empêche que je me suis fait bouffer, mais. Ah, on va récupérer quand même les mécamouches. Ça fait toujours du bien. Salut, toi, villageois. T'en fais pas, je viens de voir après. En attendant de savoir pourquoi le sage bleu a disparu, il faut que vous ramassiez 45 piles d'énergie pour alimenter cette machine. D'accord, 45. Ça va, putain, je suis pas ton esclave. Qu'est-ce qu'il y a par ici, par exemple? J'ai entendu une mécamouche en bas. Je vais donc m'empresser de sauter dans le vide pour avoir la mécamouche. Mécamouche ghetto d'Azé. Dépêche-toi de récupérer les 45 piles d'énergie. Fais que je vais foutre. Piles d'énergie. Eh, hey, y'a pas de 3 frames. Ah. L'eau est bonne, mais je me suis fait bouffer. Ah, cool ça. Qu'est-ce que c'est? Bassin précurseur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. C'est la course.
C'est vrai qu'il y a une course ici. Ouah, c'est stylé. Je sais pas du tout ce que je fais ici, mais c'est stylé. Je sais pas ce que je fais. Voilà. D'accord, je me balade. Ok. Très bien, bah très bien, écoute. Baladons-nous, j'ai envie de dire. Promenons-nous dans les bois pendant qu'il n'y est pas. Si le lui y était. C'est leur curse volant. Il a peut-être une pile d'énergie. Et ça, c'est quoi ça? Mais il en reste encore pas mal. Et il en reste encore pas mal. Putain, mais il y a plein d'orbes ici, c'est gratuit. Vite! Tu dois passer dans chaque anneau avant qu'il ne s'éteigne. Oh, ça va, on a le temps. Tout de suite les précipitations. Alors qu'on est en train de s'amuser là, on se balade. Ah tiens, je récupère plein de trucs ici pour farmer, ça a l'air pas mal ça. Ici. J'ai déjà les 90 orbes de merde. Je peux pas lui péter le cul à lui. J'ai bien envie de lui péter le cul. Il a l'air assez intestable, hein. Il a l'air assez intestable, mais je pense que je peux lui péter le cul. On peut pas lui tirer dessus, je sais pas, faire quelque chose. Il va mourir! Intercepté par là. Mais bordel! Mais tue-le! Tue-le, ce sale chien de poubelle là! Mais tue-le! Putain! Mais viens ici! Viens ici! Dou, c'est quoi ça? Triche! Mais putain! Oh, il m'a rempli le fion. Il m'a rempli le fion, t'as raison. Bah, fais ta vie. Écoute, mon gars. Ta vie, c'est génial. Moi, je vais juste récupérer des trucs ici. Ah, mais sans déconner! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bah voilà quand même, j'ai pété le cul. C'est violent. Putain, mais quel chieur. Votre chieur IX le truc là. Bon, je récupère des trucs. Merci, donnez-moi. Donnez-moi ce que vous avez. Ça, donnez-moi vos trucs. Je récupère tout. Voilà, c'est très bien. Hop, récupère ça aussi. Donnez-moi vos orbes, c'est parfait. Parfait, impeccable. Voilà, je suis très content de moi. Je récupère la pile, c'est bien. Putain, mais ouais, moi contre la nature, quoi. Ça veut rien dire. Ok. Ça, je le récupère. Parfait. Ah, il y en a plein à récupérer de trucs ici, en fait. Oh là là. C'est quoi ce triche, là? C'est pas censé passer par là. Chiant à rattraper. Voilà, casse-toi. Impeccable. Eux, je leur ai pété la gueule aussi. Est-ce que quelqu'un veut encore des... Quelqu'un veut discuter?
Ah, il y a toujours lui, hein, je sais toujours pas comment l'avoir. Hein. Tout essayer là. J'ai essayé de faire le tour, mais j'arrive pas à le rattraper, ce trou de balle. Comment est-ce que je peux faire? Putain, mais là, non, je suis censé le toucher, non? Là! Je l'ai touché, non? Voilà, je l'ai baisé. Ah, le dernier coup, j'avais fait ça. T'es qui, toi? J'ai pas quitté. Lui, visiblement, il se cache. C'est ça, cache-toi. Poussez-vous. Bon, je vais faire les anneaux, là. La quête des... Oh là là, mais Verdier, s'il te plaît, arrête de boire. Arrête de boire, arrête de boire. Arrête de boire, sans déconner. Faut arrêter. L'alcool, ce fléau. Ok, ok. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je l'ai parfait. Déjà dit et je vais me répéter. Évite les boîtes d'écho noir. Ta gueule, s'il te plaît, évite d'ouvrir ta gueule. Ça m'arrangera là. Là, là, ça m'arrange. Ah! Putain d'anus mauve. Viens là que je te pète la rondelle. Parfait. Voilà. Mais j'aimerais bien les éviter, mais tu vois bien que ce truc est incontrôlable. Je l'ai eu. Oui, je l'ai eu. Parfait. Allez, c'est fini. Ou pas. Oh, c'est jamais terminé. Hein. Les trucs sont de plus en plus loin. S'il te plaît. Merci. Non, fais pas le con. Verdier. Merci. Impeccable. La pile est ici. Je vais essayer de ne pas prendre l'écho noir comme un gland. Et j'ai réussi à ne pas la prendre comme un gland. Ce qui est une véritable prouesse. Parfait. Donc il y a encore ce trou de balle là. Tiens, trou de balle, pousse-toi, toi. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Ah putain, c'est lent. Non mais t'es sérieux? Ah mais c'est quoi ce chemin? Ah, pire chemin de l'histoire. Oh là là là. Oh, le pattern qui donne envie de vomir. Casse-toi. Putain. J'agerbe. HTC Vive. Oculus Rift. J'ai la gerbe. Voilà, dégage. Merci. Bla. Ok, blablabla, 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 bla, bla. Ok, alors qu'est-ce qu'il fallait faire encore? Il fallait faire quoi? Genre, j'ai pas les mécamouches. Traverse les anneaux précurseurs bleus. Bat le temps record. Bien joué! Ces lurkers ne font pas le poids face à votre zoomer. C'est une pile d'énergie de plus. Ouais. Putain, c'est quoi ça, par exemple? Y'a pas un truc à faire avec ces merdes-là? Peut-être des trucs à faire avec ces merdes là, mais je m'en rends pas trop compte. Ok, bon. J'ai récupéré tellement de trucs que c'est cool. Par contre, les piles, je sais plus où elles sont là. Quelqu'un a vu la dernière mécamouche? Je suis passé partout là. Je dois prendre les couvertes. Ah oui, merde, c'est vrai. Alors, regarde s'il n'y a pas la dernière mécamouche dans le coin. Comment je fais pour passer là déjà? Comment je fais pour le Signed? Je peux pas le Signed?
que c'est que ça? Oh, non. Bon, ça, c'est la fin, ça. Comment est-ce que je peux le signer? Mekamushama, où es-tu? Oh, t'as pas l'air d'être là. Je suis sûr que je pouvais l'avoir par le haut, lui, non? Je peux pas l'attraper par le haut, lui? Quand il sort, je lui tombe dessus, non? Ça me semble être une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, peut-être pas. C'est pas ça l'idée? Il te reste quoi à faire dans ce niveau? Il me reste plein de trucs à faire. Il y a un temps à battre. Il y a plein de trucs à faire dans le niveau. Il me reste une mécamouche. Sors! Sors ta tête! C'est bon, là je vois s'il sort ou sort pas. Je vais la voir, c'est sûr! Okay. Fais chier. Ah oui, tiens, ça aussi. Parfait, regardez à quel point ça va vite. Vous hallucinez tellement je suis rapide. L'étau noir ne lui fait rien du tout. Regardez bien sa vitesse. Vous allez halluciner. Gros temps. Oh là là. J'étais presque hein, finalement. Ah, j'étais presque, ça va. Tout de suite. Tout de suite à une seconde près. Bon, alors, elle était où les couvertes de merde là, que je devais récupérer? J'en avais vu, les lurkers ils sont morts. Elle est là, les couvertes. Débarrasser de tout ça. Cette substance doit disparaître. Encore. Je me recharge. En espérant que tout soit pas apparu. Tout réapparaît. C'est chiant. Mais on va y arriver. On va y arriver. La tondeuse à gazon. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Ah, ça doit être une blague, c'est pas possible. Ça doit être une blague pas drôle nulle. Cassez-vous. Mais non mais à un moment faut mourir messieurs. Non mais à un moment le gazon faut dégager. Le gazon maudit. Oh merde. Plus vite. Le gazon réapparaît, c'est horrible. Je les ai tous tués. Oui, c'est bon là. Parfait. Incroyable, une pile d'énergie. Je crois que tu peux le faire en une fois, ouais. Je l'ai. Impeccable. C'est ça. Soyez maudit la copine de Crane, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste encore comme saloperie? Ouais. Il me reste bas le temps. Traverse les anneaux bleus. Libère les 7 mécamouches. Et le truc du 1. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est sûrement parce que je ne m'attendais pas à ça de vous. Bon, votre heure de gloire est passée. Passons à autre chose. Vous avez vu, vous, les... T'as la dernière mécamouche, je sais pas où elle est, c'est violent. Je sais pas où elle est.
J'en ai aucune putain d'idée. C'est ouf. Donc là, il y a le début de la course. Bah là, la mécamouche. C'est quoi cet endroit là? Je suis déjà allé ici, non? Ah bah, c'est là d'où je viens. Je tourne en... Non! Voilà, bon là je bats le temps. C'est parti. Battons le temps. Go! Goldorak, go! Incroyable! Il a pris l'intérieur. C'est phénoménal. Personne ne voulait y croire. Mais il est quand même très en avance sur son personal best. Voilà, il sait qu'il faut retourner en arrière. Du coup, il ne fait plus l'erreur méga conne qu'il a fait au début. Mais il va quand même se vautrer lamentablement. Car sinon, ça n'est pas drôle. Gros vautrage, mais ça gagne. Wow, on a battu le temps record. On a battu le temps record. Donc l'autre va me donner la pile. Mais ça me dit toujours pas. C'est bien lui qu'il faut que j'aie là. On est d'accord. Lui, il faut que je le prenne, lui. Je sais pas où est la dernière mécamouche. C'est violent. La mécamouche, elle est sur le chemin en hauteur. D'accord. Bon, déjà, je vais attraper lui, là. Il met le bois depuis tout à l'heure. Allez, sors! Putain, j'arrive pas. Comment on l'a, lui? Le fiefé schnapseur, là, il commence à me... Il met le guac. Ouais, mais pourquoi? Il met tellement le guac. C'est violent. Et comment je l'attrape? Fais les anneaux bleus et tu verras où est la dernière mécamouche. Elle est sur ton chemin. Je les trouve pas, les anneaux bleus. Je sais même pas où ils sont. Bon, attends, c'est sûrement par là. Je vais monter. Alors, par où on peut monter? Ah, voilà des anneaux bleus. Parfait. Je progresse dans l'intrigue. Par où on monte? Par où on monte? Par où on monte? Par où on monte? C'est une blague? Si c'est une blague, c'était pas drôle. Alors, on monte par où? Le chemin de hauteur. Non, ta gueule. Non! Je ne vais pas m'énerver. Je ne vais pas m'énerver car je suis quelqu'un de zen, c'est connu. La zénitude envahit mon corps. Je suis zen. Pour la taupe, il faut. Hein? Il faut parler au PNJ. Ah merde. Ça, c'est cool. Ah, la mécamouche est là. Parfait. Mécamouche. Flamme. Et les anneaux bleus. Dépêche-toi, voilà le suivant. Anneau bleu. Anneau bleu. Anneau bleu. Anneau bleu. Anneau bleu. Oh merde. Comment je l'ai, lui? Comment je l'ai, lui? Tu veux que je passe par où, connard? Bah, mec, tu veux que je passe par où? Trou du cul. C'est fatigant. La musique d'échec, ouais, le vieux pep. T'as perdu tes zéros. Le fun est total. C'est en train de me remplir le cerveau, puis j'ai chaud. Allez, s'il te plaît, Dexter. Dexter, j'en supplie. Aider.
je sens que je vais pas aimer ça. Je l'ai eu, très bien. Continuons comme ça. What the fuck? Pourquoi c'est comme ça là? Ça n'a aucun putain de sens. C'est bien par là? Oui, c'est par là. Alors, faut que ça s'arrête maintenant, s'il vous plaît. Oh, ça s'arrête pas. Hein. Oh, ça s'arrête tellement pas. Non! Ah merde, 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 merde. Le prochain, il est là. Les anneaux bleus du fun. Les anneaux bleus. Oh putain, mais ta gueule. Oh là là, merde, mais va te faire mettre. Anneaux bleus. Oh mais ta gueule. Alors, qu'est-ce qu'on se marre pas en fait? Ah non, on se marre pas. Ah sa mère la prostitute. Voilà c'est bon. Putain. Yes. Je l'ai eu. Oh la belle bleue. Bah bah j'ai tout sauf retourne voir le parieur. C'est ça. On va retourner voir le parieur. Alors, où est la sortie? Je veux la sortie. Indiquez-moi la sortie. Je veux sortir. Sortir, s'il vous plaît. Je souhaiterais sortir de la zone. Et vous m'indiquez où se trouve la sortie. S'il vous plaît. Non, ça a été drôle 5 minutes. Ça a été drôle 5 minutes et après, finalement, j'ai regardé, on rigole plus. Non, par contre, il faut vraiment me dire où on sort. Voilà, par ici. Voilà. Nickel. Ah, j'ai oublié comment jouer dans ce mode-là. Tellement cela. Ça arrive de pas être vulgaire. Ah là là, c'est une question difficile quand même. Salut. Vous avez l'air vraiment très doués tous les deux. Oui. Je fais une étude scientifique et vous pourriez peut-être m'aider. Hey, c'est notre aventure. C'est nous qui avons besoin de votre aide. Alors nous pouvons nous entraider. J'étudie le comportement des taupes éclairs dans le bassin précurseur près de notre village. Mais ces horribles lurkers ont effrayé les taupes qui sont remontées. Et comme elles sont aveugles, elles n'arrivent pas à retourner sous terre. Si vous parvenez à les ramener vers leur galerie, vous leur sauverez sûrement la vie. Une pile d'énergie vous convaincra sans doute. Ouais, les taupes éclairs, on s'en occupe. Les taupes éclairs, on s'en occupe. D'énergie. Bien tenté, mais vous aurez droit à une autre pile d'énergie si vous me trouvez 90 orbes précurseurs pour mon équipement de recherche. C'est d'accord? Ouais. Oh, vous avez les orbes. Voilà la pile d'énergie, comme promis. Ouais. On y retourne, du coup. Si j'ai bien compris le metagame. Si j'ai bien compris le metagame, on y retourne. Bon bah c'est reparti hein. Le fun n'a jamais été aussi. Ah voilà, les taupes. Les taupes éclairs. Alors il faut faire quoi avec elles là? Ah ouais, mais c'est de la merde. Oh, c'est de la merde. Ah, elles sont vraiment connes comme des balais aussi. Ah ouais, c'est très con, une taupe éclair. C'est vraiment très con, un taupe FR. Hein.
Non mais où est-ce que tu vas? La batterie de la manette est bientôt morte. Mais tu vas où le top FR? Non. Bah, ici deux. Attends, calme-toi, reviens ici la top FR. Allez, rentre dans le terrier. Non mais fous-moi la paix. Non! Il y a eu un glitch. Top FR. Allez, rentre, s'il te plaît. Fais plaisir à papa. Voilà, par ici. T'y es presque. Voilà. Mais t'étais dedans, là! Putain! Oh là là. Tu es en train de me saouler, mais va par là. Par ici. Allez. Voilà. Bah lui, allez dedans. Débile. Non, mais t'es complètement con. Non, mais t'es vraiment con. Non mais toi t'es vraiment très con toi. Allez, rentre dedans, rentre chez papa. Voilà. Allons chercher notre pile d'énergie chez la géologue. Je vais aller chercher ma pile d'énergie chez la géologue. Merde, c'est pas du tout ici. C'est pas là. C'était par ici, non? Pas du tout. C'était par là. Allô? Par ici. Je vais aller chercher ma pile d'énergie, Nalchetan. Je remets ça. Merci. Attends, et là, ça me faisait... Retourne voir le pari. Voilà, j'ai tout. Parfait, salut. Merci d'avoir sauvé cette taupe. C'est très mais de rien, de ça a été un plaisir, voilà, sans déconner. Ah ouais. Je vais pouvoir poursuivre mes recherches. Ah, c'est vraiment bien. Voilà. Est-ce qu'il a fait le marais? Non, le marais n'est pas fait. Le marais, j'attends un peu. C'est chiant, ça m'emmerde. Donc là, on retourne voir. Et le parieur et l'autre glubule, là, ils sont où ces connards? Ah, t'as jeté 90 piles. Oh, allez, remets tout en place, bâtard. Fantastique. Vous m'amenez les orbes précurseurs. D'accord. Allez, au boulot. Il y a trois zones dans le jeu, hein. C'est la deuxième zone celle-ci. Hein. Cette créature. Voilà, il remet tout en place, merci. Voilà, pile, des piles. Il en fallait 45, je crois. Je crois que je vais l'avoir. Ouais, c'est ça, je les ai déjà sans avoir fait le marais en fait. C'est cool. Oh, bien joué, petit. Je savais qu'on pouvait gagner. Nous irons loin tous les deux. Voilà. Merci. Ta pile d'énergie. Et merci. Moi, je vais encaisser. Merci. Et blaon. Voilà, bah on est à la moitié du jeu. On est à la moitié du jeu. Je sais pas combien j'ai d'orbes précurseurs. J'en ai 63. Ce qui est pas top. Mais au moins. Récupère ça. Il y a aussi des trucs à mon avis là-bas. Voilà, je peux déjà aller détruire ça pour passer dans l'autre zone, mais il faut que je fasse la zone du marais là-bas. C'est très important. La zone du marais, c'est important. Parce que là, tu vois, là, ce qui me manque ici, c'est juste les 120 et 120 trucs à donner. Ouais, le marécage, j'ai rien fait. Donc le bassin, ouais, le bassin, c'est fait. Donc ça c'est 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Donc, je suis à 46%. Sachant qu'il y a 101 orbes dans le jeu je crois. J'en ai déjà 48. On est plutôt bien. Finalement je vais faire le 100% sans m'en rendre compte. Parce que c'est facile et c'est agréable. Quel logiciel de montage utilises-tu s'il te plaît? Aucun logiciel de montage. Moi je suis sous XSplit. Voilà. Voilà, bah ça suffira pour aujourd'hui. C'est très bien comme ça. Voilà. Allez, Real Talk. Voilà, on rebascule ici. Hop, hop. C'est le week-end après, donc je vais me reposer. Mais bon, rassurez-vous. Il y aura d'autres phases le week-end. On est 206 subs à présent. Merci à tous ceux qui ont sub aujourd'hui. On atteint les 250 ce week-end, c'est cramé. En plus du marathon. Là, j'ai chaud. Moi, j'ai chaud.
Je vais me foutre au frais, je pense. Ah, déjà ? Comment ça, déjà ? J'ai fait 2 heures de stream en plus, non mais oh ? Il est 23h. À 23h, MV, il doit bien avoir fini de tirer son coup, là. Il va bien commencer à streamer. Non ? Ah non, il a dit qu'il était en mode full lover. Ah ouais, en plus... En plus, ouais. Il va avoir beaucoup, beaucoup de taf. Beaucoup, beaucoup de taf. Elle le laissera jamais partir, je pense. Voyons voir ce qu'il y a. Voyons voir ce qu'il y a sur Gaming Live. À cette heure-ci. Suivi. Quelle heure le marathon? Je sais pas. Quand j'ai envie, je commence et je stream. On a Alinity, on a le gros. Spike Vegeta, toujours Nvidia. Xankyo qui est sur Nvidia France aussi. On a la Powerplay. Waouh, mais il y a la Powerplay, c'est cool. Waouh, il y a Mulfried sur la Powerplay. Moi, je vais vous envoyer, regardez ça. T'as Speedrun, Metal Slug X. C'est complètement garanti. Bon, bah, moi, je vous envoie sur la Powerplay. Je vous envoie sur la Powerplay. J'ai pas eu celui qu'une Shiny. On tentera demain encore. Hein. Encore et encore et encore et encore et encore. On va y arriver, hein. On va forcément y arriver un jour ou l'autre. À la boire. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à tous à demain. En forme, n'est-ce pas? Pour d'autres aventures endiablées sur Street Fighter. Bien sûr. Bisous à tous.